Bonjour, je vais vous montrer un petit gadget que j'ai commandé, que j'ai reçu du fameux site AliExpress. Voilà, donc c'est une télécommande. À quoi ça sert? J'ai quelques amis qui font Uber, entre autres. Ils ont une Mercedes de fourgon avec 6 sièges à l'arrière. Et ils font du transport de personnes vers l'aéroport, en balade, en discothèque, bref, il a 6 sièges à l'arrière, 5-6 sièges. Et ce qu'il voulait, c'était d'avoir une lumière qu'on peut mettre sous les sièges de telle sorte qu'on met un peu de lumière d'ambiance. Donc j'ai acheté ce kit qui a 4 LED. Alors on va voir combien ils sont longs. Alors longueur 12 cm. Qu'est-ce qu'elle va faire en fait? Et on a une télécommande avec laquelle on peut changer les couleurs bleu, vert, rouge et jaune. On peut faire du orange, du blanc. On peut changer l'intensité de la couleur. On peut la mettre aussi en mode discothèque, hein, que ce soit du jump 1, jump 2, jump 3. Donc ça clignote, ça fait du va-et-vient. Il y a pas mal de modes avec ça. Ben voilà, là c'est le émetteur. La télécommande et il peut changer. Donc la télécommande elle est petite, pratique, avec une pile bouton. Hop, une pile bouton. Bah, que les Chinois ils ont fait une économie. En fait, il n'y a pas de pile. Ah voilà, ça c'est fait. Il n'y a pas de pile. Donc on le remet dans son sachet. Je pourrais pas vous montrer tout de suite comment ça marche. Hop, on met de côté. Donc voilà, il y a un câble assez long. Quand je l'ai acheté, je crois que j'ai pris du 5 mètres. L'allume-cigare qui va alimenter ce boîtier avec un bouton. Le bouton, c'est pour l'allumer, pour l'éteindre, je présume. Allez, on va faire un test. Je branche les LED au boîtier. Voilà. Et je branche. Ben, je lui donne du 12 volts. Tout simplement. Hop. 12 volts, et je présume qu'il faut, ah oui, il faut appuyer sur le bouton. Bon ben voilà ce que ça peut faire. Donc sous le siège ça va éclairer le sol des passagers, ça peut être sympa. Malheureusement, vu que la télécommande n'a pas de pile, je pourrais pas montrer tous les modes, mais sachez que voilà, ça peut clignoter, ça peut être éclairé une seule couleur, et c'est lui qui en décide puisqu'il a la télécommande. On n'est pas obligé d'utiliser l'allume-cigare, mais normalement dans ces voitures, ces fourgons, à l'arrière on a toujours deux ou trois allume-cigares, donc on peut toujours en condamner un ou couper les fils et directement le brancher en direct, hein, pour qu'on ne voit pas ce qu'il y a dans l'allume-cigare. Ce bouton allume, éteindre, bon, je ne sais pas à quoi ça sert, puisque sur la télécommande, télécommande aussi on a un bouton off, donc on peut l'éteindre aussi de la télécommande. Ou si les passagers à l'arrière ne veulent pas, pouf, ils peuvent l'éteindre. Donc voilà, alors comment ça éclaire? Ah, ça éclaire assez fort, hein. Je pense que dans une voiture, sous les sièges collés, ça ira très bien. C'est vendu avec scotch double face. Pas mal. Donc je vous dirai pas le prix, hein, puisque les prix ça change et puis chacun peut le trouver à son prix à lui. Voilà ce que je voulais vous montrer.